que les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est la deuxième fois qu'on m'invite à faire un jury. Je l'ai fait avec grand plaisir pour la première fois pour le Festival du film méditerranéen. J'ai beaucoup aimé faire ça et je suis très content d'aller au Bruxelles Short parce que, en fait, moi j'ai eu des films auxquels j'ai participé qui ont été là et puis c'est une ambiance particulière. On croise aussi plein de copains, quoi. Ça, c'est très bien. Et puis je suis ravi de faire ça parce qu'en fait, du coup, d'être jury, je vais pouvoir voir vraiment tous les films. Bruxelles Short Film Festival, le rendez-vous à ne pas manquer. J'ai pas assez de points de comparaison pour dire si dans les maintenant le niveau est meilleur qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 15 ans, enfin que voilà, donc ça je sais pas très bien. Moi le court-métrage, je le connais pour l'avoir un peu pratiqué. Tu trouves pas trop grosse? Mais non. Mes seins, ils sont pas trop petits, mes seins. Ils sont très bien. Je crois pas que ce soit seulement un endroit où on s'essaye, en fait. Je crois que c'est vraiment un endroit à part entière. Je crois que c'est très difficile comme format aussi. Et ça permet quand même aux artistes d'exprimer autrement, plus facilement quelque chose. Et puis parfois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'une heure et demie pour les dire, hein, aussi. Et le Magritte du meilleur espoir masculin est attribué à Johan Blanc dans Un homme à la mer. J'étais content d'avoir le Magritte, même si c'était un peu... Enfin, on m'a quand même pas mal chambré sur le fait que j'ai espoir. Mais c'est très bien comme ça, et je suis très content de l'avoir. En fait, j'étais content parce que, venant du théâtre, et puis ayant fait quelque chose d'un peu populaire, comme une série, j'étais content, en fait, que ce soit reconnu aussi d'une façon ou d'une autre. Je dois tout savoir sur ce village. Les secrets les plus honteux, les plus enfouis. On va tout déterrer. Bah, comme la première, nous on n'a jamais fait. Et aucun chef de. Enfin, personne n'a fait de deuxième saison. Personne n'a fait de première, personne n'a fait de deuxième. C'est très très, très étrange pour moi de faire un personnage qui était quelque chose d'assez consistant quand même. Ça représentait beaucoup de travail. Et de le faire. Et puis de devoir le refaire, mais quand même un peu différemment. En même temps, on ne peut pas prendre toutes les libertés parce que les gens attendent quand même un peu le personnage en se disant. Je veux pas faire quelqu'un d'autre non plus. En même temps, moi, il faut bien que j'aille faire autre chose parce qu'on va pas resservir la même soupe. Enfin, c'est un peu... ça doit pas être la même soupe, mais elle doit avoir un peu le même goût quand même. Enfin, tout ça, c'est très étrange. En même temps, c'est très excitant à faire. C'est super de se retrouver, d'essayer de bien capter ce qu'on cherche à faire ensemble. Là, on est en préparation et effectivement, on se pose ces questions-là. Non, et en fait, la différence, c'est qu'on a plus de temps de prépa parce que le tournage étant repoussé un petit peu pour X raisons, on a un peu plus de temps de préparation. Voilà, donc normalement, ça devrait aller.